Bonsoir à la une de ce 9 juin, le cauchemar de Nadine Morano, Marine Le Pen et Éric Zemmour est en train de se dérouler en ce moment même en direct, le crossover de la mort, la partouze de la redevance, la grande bouffe de la bien-pensance, le G7 de la gauchiatie, France 5 reçoit France Inter. Oh, quelle horreur. Et ça se gosse, ça rit sous cap, tout ça avec l'argent public. À une différence près, sur France 5, il n'y a pas de pub, une seulement dans C'est à vous. Alors messieurs de la France Inter, afin que vous ne soyez pas dépaysés, exceptionnellement, ce soir, ma chronique sera entrecoupée de pubs sonores pour que vous vous sentiez comme chez vous. À la une de ce 9 juin, donc, c'était l'événement aujourd'hui, l'audition aussi. Bonjour, moi c'est Mathieu. Avant, ma vie était morose, mais depuis que j'ai fait l'acquisition de ma véranda Patrick Fitouche, le soleil est entré dans mon quotidien. Alors, qu'attendez-vous ? Demandez un devis sur patrickfitouche.com. Votre soumise à condition, prononcez très rapidement pour que vous ne vous rendiez pas compte de la carotte. Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour. Ouais, effectivement, c'est pénible d'être coupé par de la pub. À la une, donc, c'était l'événement. Aujourd'hui, l'audition au Sénat du préfet Didier Lallement. Après le fiasco au Stade de France, l'occasion de s'apercevoir que Dédé la déconne est toujours aussi jovial. Mais également qu'après plus de 2 ans de pandémie, certains galèrent encore avec la visio. Ça ressemblait plus à un Skype avec nos grands-parents qu'une audition solennelle. Madame Boyer. Mme Boyer. Ça arrive. Mme Boyer est toujours pas connecté. Mme Boyer. Mme Boyer. C'est dramatique. Hein. Ah. Oh là là. Oh là là. Chantier. Elle est morte. Mme Boyer. Avec des oreilles de lapin. Bien. Valérie Boyer derrière son écran. Allez. Chers collègues, vous nous entendez ? Valérie. Madame Boyer, on vous voit à l'image cette fois-ci, mais on ne vous entend pas. Elle n'a pas de connexion. Aïe, 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 aïe. Non, Valérie, déconnecte et reconnecte le bazar. Branche le micro, ce sera mieux. Ouais, bah, vas-y, vas-y, vas-y. Essaye, Madame Boyer. Je crois que ça ne marche pas mieux. Peut-être que ça ne s'appelle pas Madame Boyer. Écoutez, si nous n'y arrivons pas, on va donner la parole à monsieur... Peut-être encore monsieur le préfet, on va vous donner la parole. Ah oui, donnons la parole à Didier Lallement, qui ne s'est pas dérobé face à ses responsabilités. Je suis le seul responsable. J'assume donc en totalité, j'en suis le seul responsable. Je suis le seul responsable, j'assume la totalité, c'est ma responsabilité. J'ai demandé qu'on gaze, je l'assume complètement. Si vous devez vous en prendre à quelqu'un, vous en prenez à moi. Je suis le seul responsable. J'espère être parfaitement clair là-dessus. Alors, il assume tout. C'est donc tout naturellement que lorsqu'une sénatrice lui a demandé quelle leçon personnelle il tirait du fiasco du Stade de France, il a répondu ça. Mais quelle importance ma situation personnelle ? Enfin, franchement, je suis un haut fonctionnaire. Je suis révocable ad notum tous les mercredis. C'est quoi votre problème, quoi ? Voilà. Ouais, voilà. Ce qui signifie, je vous fais la traduction, je t'emmerde. Hein. Oui, j'ai fait l'allemand LV2. À part ça, l'autre événement du jour, c'est bien évidemment... Nous sommes pour ceux qui ouvrent des portes. Nous sommes pour ceux qui s'arrêtent. Nous sommes pour ceux qui ne se placent pas avant les autres. Nous sommes d'accord pour se dire que cette musique de pub est vraiment insupportable. GMF, faut vraiment changer de musique de pub. On n'en peut plus. Je suis bien d'accord, et pénible ces pages de pub. Sénat toujours avec aujourd'hui la table ronde sur la régulation de l'accès au contenu pornographique en ligne, en présence notamment de Laurence Rossignol. Dans l'après-midi, Jackie et Michel, accessibles uniquement en faisant croire que j'ai 18 ans, des images qui sont incontestablement pornographiques, avec des contenus pornographiques. Ah, c'est le moment où elle va parler de gros chibres. Alors, je ne vais pas réitérer... ce qui, après, circule sur les réseaux sociaux ou dans des émissions de télé et qui amuse les chroniqueurs. Voilà. Alors, je ne vois vraiment pas de qui elle peut parler, surtout à quel extrait elle peut bien faire référence. Gina, Chloé et Cheryl, peut-être, vont vous montrer comment s'occuper d'une grosse bite black. Et voilà, c'était à ça qu'elle faisait référence. En bref, l'information, c'est aussi la réouverture de... Ah ouais. Marre du stress, marre des bruits parasites du quotidien, soufflez, reposez-vous et écoutez un candidat RN aux législatives répondre à une question sur son programme. Sur quoi, justement ? L'immigration. Ah, ça va mieux.
Ouais, c'est vrai que c'est toujours relaxant de les écouter pas parler. Dans le reste de l'actualité... L'ARCOM me signale que l'émission est beaucoup trop à gauche depuis tout à l'heure. Rétablissons tout ça. Voici 20 secondes d'Éric Zemmour ce matin sur BFM. L'islamisation du pays, interdiction du voile, interdiction des vêtements islamiques, une djellaba à la mosquée, voile, une islamisation, frères musulmans, salafistes, les voiles, les djellabas, les tenues islamiques, les kebabs et autres, boutiques halal et compagnie, musulmans, l'islam, grand terme d'islam, islamo-gauchiste, musulmans, musulmans, islamo-gauchiste, grand remplacement, grand remplacement. Voilà, nous voilà dans les clous. L'actu, c'est aussi les élections législatives. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy était en déplacement à Nice où il a déjeuné avec Christian Estrosi. Mais il a commis l'erreur de débutant, le coup de fil après un déjeuner. En début d'après-midi, il a apporté son soutien public à une candidate Horizon. Une déclaration de soutien peu solennelle, pas derrière un pupitre, mais à l'arrière de sa bagnole, sur un téléphone, les yeux mi-clos. Ce qui ressemblait plus à un FaceTime de retour de fin de soirée. Je suis à Nice aujourd'hui parce que je devais faire un discours. Et c'est toujours un plaisir pour moi, tu sais, de venir à Nice, qui est une ville que j'adore. Mais c'est super, j'espère que t'as bien mangé, mon Nico. Mais qu'est-ce que tu voulais me dire? Mais c'est l'occasion de te dire ma reconnaissance profonde, mon amitié sincère, pour la fidélité dont tu as fait preuve à mon endroit. Mais c'est gros sympa, t'es un seigneur, t'es un frérot, je l'ai toujours dit. Moi de te soutenir, tu m'as tellement soutenu, tu m'as tellement aidé, je te souhaite bon courage et bonne chance pour dimanche prochain. Ben je... Ça me fait super plaisir, Nico, merci. Et on referme ces actualités avec... Ciao bella! Jusqu'à dimanche, c'est la semaine Dolce Vita dans votre pizzeria préférée. La Regina, la quattro formaggi à 3,30€ seulement, c'est à la pizzeria Santa Catarina et nulle part ailleurs. Pizzeria Santa Catarina à Mandelieu, la Napoule, sortie à 8 après la rocade derrière le centre Leclerc. Pénible, c'est pub. Bonne soirée et merci à Mathieu Béliard pour tous ces spots de pub. Bravo! Bravo.